petit pont entre les deux là. Pour essayer de faire une grande taverne. Est-ce que en fait ça ce serait pas la partie taverne de notre espèce d'espace là? Et ça plus la partie un peu dortoir. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça fort de pas manger de viande, je pourrais absolument pas. Oh, c'est une question de volonté, hein. Chef Stitter. Ouais, bah après, il y a que le truc au anticorps que j'ai fait. Hein. Qu'est-ce que ça... Bah, écurie... Après, il faudrait faire la place... Après, c'est peut-être un peu gros, ça, comme bâtiment, déjà. Je trouve que c'est un chouïa gros. La caméra est tellement rapide, j'ai du mal au début. Hop là. La raclette, tu vas la manger comment? D'ailleurs, bah, avec du fromage, quoi. Bon, pas la question. Tu veux manger épicé? Non, putain. Ah! Je comprends le jeu de mots. Épicé? Ouais, ça me dérange pas, ouais. Et en vrai, Promzog, ouais. Bah oui, sans charcuterie. En vrai, tester dans la classe sans charcuterie, vous verrez, c'est 100 fois mieux. Ah ouais, tu passes pas ton après-midi à bord de la flotte, là. Alors, petite bourgade, là, on va mettre double fenêtre. On va mettre 3 étages. Bah, sans charcuterie, moi, ça me choque pas, hein. Ah là, avec des fenêtres, avec des volets, on est mieux. Bam. Tac, tac. CS2, c'est pour quand? Pas aujourd'hui. Dimanche, je pense. Voilà, avec des volets. Là. Est-ce qu'on pourrait pas faire des triples fenêtres ici, là? Ah, là, pas mal. Un casse en charcuterie, c'est juste patate, fromage, point. Bah oui, alors. Est-ce que... C'est fou que vous soyez choqué par ça. C'est pas très ouvert d'esprit, quand même. Le fait bizarre, non? Le toit fait bizarre? Ouais, mais attends, c'est parce qu'on a pas fini. Salut Boubou, comment ça va? Ça va faire une belle maison, là. Tac, petite fenêtre ici aussi. Celle-là, on peut peut-être la relever un chouïa. Il est tellement beau ce jeu. Il est tellement simple et efficace. Et là, on pourrait mettre pareil une petite cour, une petite courette, un petit truc. Alors attendez. Là, on met plein de petites fenêtres là. Ça fait un peu carré comme bâtiment. Ouais, ça... Attends, si je mets plein de fenêtres, ça fait quoi? Ah, ça fait un peu trop de fenêtres là. Non, ça fait un peu trop de fenêtres là. En fait, c'est que le bâtiment, il a. Ouais. Il faudrait avant qu'on homme s'achète son ordi. Il a toujours pas fait? Allez, je comprends, ça coûte cher. On met 3 doubles fenêtres là. Non, on va essayer de les mettre un peu en face. Là, une grande comme ça. Et là, pareil, 3 petites en bas. Voilà, ça fait un peu moins de symétrie. C'est un peu moins bizarre. Et sur ce mur là, on pourrait coller une autre maison. Mais en fait, je la trouve vraiment grosse celle-là. Hein. Elle est vraiment mastoc. C'est un peu gros. C'est un chouïa gros. Le toit est peut-être un peu haut. Voilà, mettre le toit comme ça plutôt. Et fait les fenêtres qui dépassent du mur. Les fenêtres qui dépassent du mur, c'est-à-dire? Ah oui, vous êtes toujours pas chez vous, c'est vrai. Les fenêtres qui dépassent du mur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les fenêtres qui dépassent du mur. Ah oui, ah j'avoue, on pourrait faire ça. Ouais, ça va être chiant. Vas-y, on peut tester. Attends, on va tester. Effectivement, on peut faire des fenêtres qui dépassent du mur. Pas bête. J'avoue, on peut faire ça. On peut faire ça. Les chiens, si, ouais. Pas m'étouffer. Alors attends. Attends, peut-être qu'il faut que je garde. Il faut que je garde peut-être la toiture là. Non. Attends. Non, je vois pas trop comment faire le truc là. Des chiens assis. Ah non, mais après on peut faire ça. Des chiens assis, ce sera ça plutôt. Je pense que c'est plutôt ça auquel vous pensiez, non? Attends. Merde. Ah, je peux pas déplacer? Attends, dissocier. Left control. Voilà. On peut peut-être faire ça déjà. Voilà. Après. Attends, tac. On va en mettre que 2 en fait. On va en mettre que 2 parce que 3 ça me paraît un peu trop. Ça me paraît un chouïa trop, ouais. Voilà. Alors par contre, effectivement, c'est pas bête ce que tu dis là. Est-ce qu'on peut tenter un truc là? Alors attends. Et on baisse le toit là. Mais je suis pas sûr qu'on arrive à faire une fenêtre. On arrivera à faire une fenêtre là. On arrivera à faire une fenêtre qui dépasse du mur. Je sais pas si ça va bien rendre. Hein. Ouais, si, ça peut être pas mal, mais alors par contre, faut qu'on change la texture du machin là. Ah, mais ça fait bizarre avec le. C'est tellement les noms des choses. Comment ce chien assis? Ah, ça, je sais pas. Hein. Comment on peut faire là pour que ce soit moins. Ça fait bizarre là. Ah, la fenêtre, je veux qu'elle apparaisse. Si je le rentre un peu là. En fait, c'est le côté escalier qui fait bizarre. Enfin, le côté. On se demande pourquoi il y a un truc au-dessus quoi. On dirait une terrasse. Ça n'a pas vraiment de sens. Bah, si je mets le toit. Mais si je mets le toit, ça fait bizarre, non? C'est pas bizarre là? Ouais, pourquoi pas. Alors faut que je recule un peu là. Merde.
Ah non, c'est bon, on voit pas le toit là. Ah, pas mal. Ah, j'avoue, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Ah, non, y'a un délire. Y'a un délire. Ah, c'est pas mal. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. C'est un peu chiant à faire, mais en vrai... Pourquoi pas? Alors, il y a juste le toit, faut qu'on... Non, merde. On le met au plus bas possible. Mais c'est pas mal, hein. C'est juste, alors, refaire ça plusieurs fois, ça peut être intéressant, mais c'est juste galère à faire. Mais en vrai, pourquoi pas? Tourne le toit dans l'autre sens pour voir. Ouais, je suis pas sûr que ça change grand-chose, là. Ah, là, ça les passe bien de la... Ça les passe bien du bordel, ouais. Ouais, ouais. Merde. Pas mal, attends, on va essayer de faire la même chose ici. Hop, descend mon pote. Alors, descend, non. Là. Et là, on le recule un peu par là. Ouais, en vrai, comme ça, ça passe. Ça passe, mais c'est peut-être un chouïa petit, comme ça. Voilà. Voilà, pas mal. Un peu, hop. Et on rajoute des fenêtres, là. Double fenêtre. Merde. Non, non, non! Non, il me la met pas dans le coin! Attends. Il manque un peu de largeur. Voilà. Et oh! Là. Si tu mets le toit en étirant max, ça rajoute le mur qui te fait un peu hostile aussi. Non, j'ai pas compris. Mais pourquoi il veut pas? Pas assez grand là? Oh! Nos deux gus, nos deux gus! Ah, voilà. Ah, pas mal! Pas mal, faudrait faire ça des deux côtés maintenant. Après, techniquement, on avait déjà ça. Hein. Techniquement, mais c'est pas con en vrai. C'est pas con en vrai. On va le faire juste de ce côté-là. C'est pas mal, ouais. Apparemment, si tu cliques sur une fenêtre, tu peux changer la déco. Ouais, tu peux changer la déco, ouais. Hop. Ouais, tu peux changer la déco, tout à fait. Tout à fait. Tu peux totalement faire ça. Alors, attendez, on va rajouter les fenêtres. Ici, ici. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui payent. Ça, c'est les chambres pas chères, là. Les chambres pas chères du toit. Et après, les fenêtres, on va les mettre plus classiques. Hein. Parce que sinon, on va se galérer, là. Voilà, pas mal. Pas mal. Et alors là, on va refaire la même chose. Hop. On descend au max le toit. Hop, on descend ça. On va réduire un peu la taille, là. Donc, on remonte un peu, finalement. Là, on descend un peu. Pas mal. Et on va reculer ça et on va agrandir là-bas. On est trop haut là. Voilà. Bon là on est peut-être pas assez... Merde. Ah voilà, mieux. Mieux. Voilà, pas mal. Une petite avancée comme ça. Et là on rajoute deux petites fenêtres. Voilà, pas mal. Ah c'est bien. Alors c'est peut-être... Ah oui, j'ai pas mis le bon style par contre. Là, faut que ce soit bois. Voilà. Bonjour Lotus, comment ça va? Hop les. Alors, c'est pas centré là. Ouais, ça fait des jolies avancées, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, j'avoue, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. C'était une bonne idée ça. Non, on va laisser le toit comme ça. On va le descendre au max. Voilà. Là, non. Et non. Et non. Merde! Tac, on monte un chouïa. Voilà. On monte. Oh. Salut Mingomé, comment ça va? C'est quoi le jeu? C'est Tiny Glade. Je suis toujours en train de manger. Hein. Ok. Et on le recule. On l'agrandit un peu là-bas. Et on le recule comme ça. Voilà. Voilà, encore un peu plus. Voilà, histoire qu'on voit pas le toit. Voilà. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça va. Ça va et vous? Ouais, ça va bien, ouais. Ah, un peu grand là, peut-être, mon histoire. Pas mal. Faut juste changer le style. Ah, pas mal, hein. Ça fait une belle baraque, hein. Avec le petit pont entre les deux maisons, là. Enfin, entre les deux bâtiments. Alors maintenant, on change un peu la couleur du toit. Tac, on change un peu la gueule de la maison. Ah, pas mal. Ouais, ça fait vraiment une grosse maison cubique, par contre. Hein. Ça fait un style un peu bizarre. Merde, j'en ai partout. C'est honteux. Et ouais, hein, ça fait une belle baraque. Elle est énorme comparée aux autres. C'est vrai qu'elles sont très grosses hein, comparées aux autres. Mais ça, c'est normal, c'est la taverne du village. Ça, c'est la taverne. Et ça, c'est l'endroit... c'est l'auberge, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. L'endroit où tu te restaures.
Où tu poses ton cheval. Mais c'est vrai qu'elles sont très grosses en fait. Elle est peut-être légèrement grosse celle-là maintenant. Oh merde, ça m'a enlevé les fenêtres. Elle est peut-être un chouïa grosse, ouais. On va peut-être la réduire de. Ah oui, merde, je déplace tout, du coup ça va pas aller. Ouais, c'est peut-être la haute. Ah oui, alors du coup maintenant que j'ai tout bougé. Mais oui. Et oui, je peux pas trop la réduire de test, donc faut que je rebouge tout. Voilà. Et on réduit de hauteur par contre. Ah bah oui. Et oui, forcément. Et oui. Tu as joué quand aussi avant? Tu penses que le jeu va avancer, genre avec les modes ou des matchs qui peuvent agrandir la map par exemple? Mais vous avez quoi comme problème avec la taille de la map? C'est fou, vous avez réussi à remplir une map déjà avant de râler? Non mais pardon, excusez-moi, mais est-ce que t'as essayé le jeu DGF là? Avant de dire que la map est trop petite. Non mais pardon, mais ça me rend fou! C'est comme les gens qui se plaignent de la map qui est trop petite sur Cities Skylines 2, les gars. Non mais attends, bah t'as fini map, tu commences une autre, qu'est-ce que je te lise moi? Hop là. Attends, avant de la remplir, faut y jouer quelques heures. Hein. C'est vrai que ça fait un peu un gros cul, mais c'est parce qu'elle a rien autour aussi. Eh oui. Bah c'est très très long, hein. Bon, mais t'as vu. Alors encore, nous, on a tout rempli, on a beaucoup rempli, mais il y a beaucoup d'eau aussi. Hein. Il y a beaucoup d'eau aussi. Date du prochain Crusader King 3. Je suis en moque. J'avoue, moi aussi, j'aimerais bien y rejouer, mais je sais pas quand. Peut-être dimanche, on jouera du Crusader King 3. J'ai presque fini la map, mais c'est juste pour savoir. Bah, je sais pas ce qu'ils ont prévu, moi, je les connais pas, les gars. Elle est où, la boucherie? Ah ouais, il faut une boucherie. Moi, je sais pas, hein. Je pense que oui, ils vont continuer de développer le jeu, mais après, de là à vous dire ce qu'ils vont en faire exactement, je sais pas du tout. Oui, après, je pense qu'ils vont bosser pour améliorer le jeu, parce qu'ils sortent une match tous les deux jours, là. Faut juste rajouter des PNJ pour donner un peu de vie. Ouais, mais je crois pas que ce soit le but, hein. Je sais pas le but du jeu, le but c'est pas c'est un jeu de construction, enfin je sais pas après où ils vont aller, mais pour moi c'est un jeu de construction, c'est pas un jeu de gestion quoi, c'est pas un... voilà, le but c'est juste d'avoir un truc mignon, alors rajouter des PNJ pourquoi pas, mais bon, moi je trouve que c'est, franchement je trouve que comme ça c'est bien, hein. Enfin moi qui ai pas de PNJ ça me choque pas plus que ça. Mais oui, le jeu est incroyable, la petite mage pour avoir les murets droit fait déjà plaisir. Oui, c'est clair. Mon rêve est un peu de PNJ à la Nomilusion qui font leur petite vie. Ouais, mais le problème, c'est que dès que tu rajoutes un peu des PNJ dans un jeu comme ça, t'es plus sur la même consommation de ressources en termes de PC, quoi. Parce que là, l'avantage, c'est que c'est un jeu accessible à tous. T'as pas un PC très puissant, tu peux jouer. Si tu commences à rajouter des PNJ, bah, ça veut dire qu'il faut que tu devs un life pass, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un cycle de vie dans le jeu, et ça devient tout de suite un peu plus complexe comme jeu, quoi. Là c'est très simplifié quand tu mets pas de PNJ. Mais quand tu mets des PNJ, tu vois, c'est pas les moutons quoi. Les moutons ils peuvent se balader tranquille, tu t'en fous. C'est des moutons. T'as pas vraiment de cycle de vie. Un humain c'est un peu plus compliqué. Plus d'animaux à la limite, pourquoi pas. Et des champs. Moi je trouve que des animaux et des champs serait pas mal. Ce serait mes deux trucs qui me manquent. Il faudrait quand même un truc entre les deux là. Peut-être une petite tourelle là. Je sais pas, j'ai envie de mettre une tourelle. Une petite tourelle, je sais pas, une tourelle, voilà. Ouais, attends, on peut mettre deux tourelles avec un petit pont entre les deux. Non mais je sais pas, j'ai envie de tenter des trucs. Petite tourelle comme ça là. Voilà. Je sais pas, c'est des silos à grains. C'était pas des silos à grains en plus à l'époque, à mon avis. Oh, fallait bien qu'ils stockent le grain quand même. Voilà. Bonne journée, Tanaouche. J'avais demandé c'était quoi le but du jeu en fait, mais c'est juste un petit style builder. Ouais, c'est ça, c'est un chill builder. C'est un cozy game. Non, il y a pas de ressources, mais c'est pour ça que j'aime bien moi. Il y a aucune ressource à gérer, t'as pas de bouchons. Ce serait quand même vraiment bien. Franchement, je suis content qu'il y ait des jeux comme ça. Ouais, je suis d'accord, le copier-coller il manque. Ouais. Le copier-coller il manque, ça je suis 100% d'accord avec toi. Le copier-coller, j'avoue. J'avoue, quand tu fais des trucs un peu... Tu vois, là, par exemple, les fenêtres que j'ai fait, là, j'étais obligé de les faire toutes à la main. Après, le fait qu'il n'y ait pas de copier-coller, ça participe un peu au charme, dans le sens où... Attention, je vais me justifier. Dans le sens où, au moins... parce qu'à l'époque, quand ils construisaient des maisons, rien n'était symétrique. En vrai. Ils construisaient un peu, pardon, mais à la zob, quoi. Ils faisaient un peu comme ils pouvaient. Donc, en vrai, bon, ça participe un peu au charme aussi, du coup, tu vois. Mais effectivement, copier-coller, ce serait pratique. Alors là, par exemple, faut que je décale un peu ça, là. Voilà, là aussi. Voilà. Ça n'existe pas depuis l'Antiquité, les grains. On va les réduire un peu, nos tourelles, là. Je sais pas trop ce que je fais avec mes tourelles, là. Non, mais je tente un truc, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est de la tentative. Est-ce que si maintenant je mets un petit pont entre les deux? Voilà.
Un petit pont entre les deux. Attends, bouge pas. Bon, c'est pas ça, pas du tout ça que je voulais faire. Mets-toi là, comme ça. Bam, on réduit le toit. Là, non, ça, on a l'impression que je fais une tourelle, là. Ça n'a pas de sens. Attends. Une toile de défense. Une toile de défense. Relève-toi. Baisse-toi un chouïa, voilà. Non, ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Pas trop à quoi ça sert. J'avais envie de remplir le vide. Mais non, je suis pas sûr. Non, non, je suis pas sûr de l'idée, là. Je vous avoue, pas sûr de l'idée, là. En fait, c'est un puits du fou simulator. Ah non! Pas puits du fou, hein! Attention! Non, non, attends, il y a des limites. Il y a des limites. Non, les limites, c'est... Comment s'appelle le village qu'ils sont en train de construire, là? Dans le centre de la France? Gay! J'y suis allé quand j'étais enfant. En fait, ils reconstruisent un château comme à l'époque, avec les techniques de l'époque. Ça s'appelle... Gontran. Non, Gon... Putain, merde! Guédelon! C'est ça! Guédelon. Château de Guédelon, exactement. Ouais, j'y suis allé quand j'étais enfant, j'ai aucun souvenir, mais j'habitais pas très loin, il me semble. Mais oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est plus ça le jeu. C'est plus Guédelon. Si j'achète ce jeu, c'est pour refaire Poudlard. Oh, crois-moi, il y en a déjà qui sont dessus là. Mais vas-y, hein, lance-toi. Non, est-ce qu'on regarde nos petites tourelles là? Il y en a pas plusieurs des projets comme ça? Bah, je sais, moi je connais que celui-là, les autres, je vous avoue, je connais pas. Je suis allé 3 fois. Ah, la chance. Ça doit être assez stylé, hein. Non, j'ai aucun souvenir, mais. Et ça doit être assez stylé. Non, je sais pas, c'est des petites tourelles. C'est des anciennes tourelles de défense, écoutez. Voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est des anciennes tourelles de défense. Voilà. Voilà, maintenant, elles sont. Voilà, elles servent juste de tour d'observation. Quelqu'un l'a fait publier 2 jours après la sortie du jeu des malades. Putain, le mec, il a. Pour faire Poudlard dans, là-dedans. Je pense que. Ah, j'y suis allé aussi, c'est au-dessus de Nevers. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est dans la Nièvre. Ah, délire. Je suis désolé, on entend les bruits de couvert. My bad. Allez, voilà. C'est au-dessus de Nevers, d'accord. Ouais, on va garder ces petites tourelles, en fait. Ça fait un petit charme. Voilà, ça change un peu des toits. Putain, on a fait vraiment des gros trucs, hein. C'est dans Lyon? Ah ouais, mais c'est pareil pour moi. Ah, attends, pour rajouter une petite terrasse, là. Mais non, ils ont rien d'autre à faire aussi, les gars de Nevers, faut s'occuper. Oh la vache. Oh, toi, t'as pas honte de dire les choses, toi, hein. Les gars de Nevers. Oh putain, la vache. Tu peux faire une visite à pied? À pied? À pied? On tire à pied? Attends, je rajoute une petite terrasse d'abord. Voilà, on va mettre un petit balconnet ici, là. On va le réduire un peu de taille. Ah, on va mettre un balconnet d'angle. Ah bah non, ce serait con, là. Ah, ou alors à l'étage inférieur? Bon, allez, on va le mettre là. On va le mettre là, le petit balconnet, là. Ah, mais du coup, ça, c'est par contre, ça c'est dommage, par contre. Les pylônes dans les fenêtres. Enfin, les poutres dans les fenêtres. J'avoue, ça, c'est un peu chiant. Pas trop le choix, malheureusement. Ok, on va transformer ça en rambarde. Voilà, et on met ta petite porte qui va bien. Voilà, ici. Tac, voilà. Impeccable, comme ça, ça diversifie un peu. Oh, c'est peut-être un peu trop. Non. Trop grand de ce côté. Voilà. Rebonjour Maywan, comment ça va? Fais-le en rond, ça va casser le cube. Une terrasse en rond? Ah, j'avoue. Pas bête. Ah, pas bête. Là, elle est bien l'idée. J'avoue, l'idée est pas bête. Une terrasse en rond. Oh, ça va faire une grosse terrasse. Une terrasse en rond. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire des moulins aussi. C'est dommage qu'on puisse pas faire des moulins. Voilà. Oh! C'est trop beau! Oh, délire. Attends, faut qu'on arrive à centrer un peu. Attends, si je mets un peu plus grand. Ah, c'est pas mal là! Attends, on va baisser un peu. Que la porte elle soit. Ah, c'est bien que la terrasse en rond! Oh, c'est beau le dessous là! Bon, les fenêtres servent plus à rien, mais. Mais ah, c'est pas mal hein! On va aller décaler là les fenêtres, attends. Oula. Hop, les tac. Ça a toujours et toi, ouais, ça va, je viens de manger, moi donc ça va. Ah, c'est pas mal hein! Eh, c'est bien, c'est bien! Alors attends, cette année ils ont creusé un étang à Guédelon? Ah, les gars, ils sont déterminés hein. Ah, c'est beau hein! C'est pas mal la petite terrasse. Elle est peut-être un peu grande quand même. Un chouïa grande à mon goût. Voilà. Petite terrasse en rond et la porte n'est plus en face. Voilà, avec le petit banc là. Ouais, les fenêtres dessous, c'est un peu dommage par contre qu'elles soient. Ouais, bah c'est pas grave. Ah, c'est bien. C'est pas mal. La chambre terrasse en rond vue sur le lac. Ouais, c'est pas mal hein. Petite vue sur le lac là. Attends. T'as envie de faire un tour là. Je devrais la lever un peu pour la porte. Bon, j'ai descendu la porte, comme ça marche.
Ouais, c'est pas mal ce petit village là. Hein. Mais encore des endroits où il faudrait qu'on remplisse. Là, on peut rajouter quoi? On va mettre du chemin là. Ah, il faudrait qu'on mette des petits. Attends. Des petits lampions. J'entends qu'on a pas mis de petits lampions. Là, on pourrait les. Je peux pas les accrocher là? Voilà, un petit lampion ici. Voilà. Petit lampion dans le coin. Là, au-dessus. Hop, petit lampion. 3 écus la nuit. Du coup, je... au moins. Oh oui, je pense. Viens là. C'est la plus chère. Hein. Voilà. Après, je préfère que nos impôts aient dans Guédelon que dans d'autres conneries. Oh! Non, mais je crois que c'est. En plus, Guédelon, il me semble que c'est un truc. Enfin, c'est un truc. C'est que financement. Pardon, non? Je pense que tu devrais la lever. À chaque fois, ça fait vraiment un village paisible. Ça fait un village très calme. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'humain dedans! C'est. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas emmerdé par les gens. Moi, j'aime bien les jeux où t'es pas emmerdé par, par la population. Non, mais c'est vrai, ça me change. Parce que j'ai l'habitude de jouer à des jeux de gestion, mais là, c'est vrai que ça fait du bien de pas être emmerdé, quoi. Hop, et comme ça, de nuit, on aura des belles lumières, là. On peut poser des petits lampions au sol, aussi. Voilà. Voilà, peut-être là, il y en a déjà un. Là, on pourrait peut-être mettre des petits lampions, également, au sol, ici. Là, dans le chemin, là. Petits lampions dans le chemin, attends. Et... Ah, là, faut mettre une porte. Oula. Là, faut mettre une petite porte. Voilà. Bon, il y a une poutre dans la porte, mais c'est pas grave. Il y a une poutre dans la porte, on s'en fiche. Petit lampion aussi ici. Voilà, et là, si on met deux nuits... Non. Si on met deux nuits, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, trop mignon. Bon, la nuit est pas très très nuit. Hein. Voilà. Ouais, c'est pour ça que les Belgiques doivent allumer les lampions, c'est tout de suite un bordel. Bah oui. Regardez-moi ça, là. C'est pas tout mignon, ça? Ah ouais. Ah, oula, les escaliers sont un peu costauds, là, non? Ah non, c'est bon. Non, ça va. Ouais, c'est pas mal. Les petits, ah, les petits lampions, ça fait la diff. Hein. Ah, attends, je vais rajouter un petit ici, là. Derrière. Ici, là, voilà. On voit bien, là. Hop, les... Ah, on peut pas mettre de lampions sur le toit. Ah, j'ai pas mis de cheminée, d'ailleurs, dans notre bâtiment, là. On va essayer d'en mettre deux. Hop, une ici, voilà. Ça fume un max. Voilà, baisser un petit peu. Voilà, petite cheminée, impeccable. Voilà, nickel. Celle-là, on pourrait la transformer en petite cheminée, d'ailleurs. Une petite maison. Bon, ça c'est chiant que ça m'en mette... Attends, on va mettre ça là. Et on va détruire ça. Voilà. Ça fait des petites cheminées. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais alors, il va falloir qu'on continue notre aventure par là-bas. On va mettre deux jours. Attention les yeux. Voilà. Est-ce qu'on creuserait pas un peu plus l'eau ici, là? Ça fait genre une rivière qui traverse la map. Tac. Et alors maintenant, il va falloir qu'on retraverse. En vrai, on va peut-être refaire traverser par là. Voilà. On va peut-être refaire traverser par là. Voilà. Et là, faire un nouveau petit pont, là, pour traverser le petit bordel. Et après, il faudra qu'on rejoigne par là, je pense. Là, on n'a pas fini, en vrai. Hein. On a encore de quoi faire. Hein. Là, en vrai, on pourrait prolonger l'eau ici aussi. Tac. Genre, ça vient de l'extérieur de la map, quoi. Oh, c'est quoi qu'il y a sur les arbres? Ah, ils ont changé de... Les feuilles sont jolies. Là, on pourrait mettre des petites forêts quand même, parce que ça manque un peu d'arbres dans notre petit bordel, là. Ouais, alors c'est le petit coin un peu forêt, là. Ils ont pas encore construit, là. Voilà. Ils ont pas encore déforesté à cet endroit-là. On va rajouter des petites fleurs, là. Voilà. C'est le petit coin un peu bordel de la map. Voilà, c'est un petit coin qui a... La mairie n'a pas encore réussi à avoir de promoteur pour construire un parking. Voilà, donc du coup, ils ont laissé un peu en friche. Et bah oui, bah c'est comme ça que ça marche. Hein. Là, on met un petit parterre de fleurs le long de la route. Voilà, là aussi. Voilà. Ah, tout de suite, ça habille. Alors, un petit pont. Un petit pont. Et j'aimerais un pont un peu plus fin, là. On peut le... Voilà. Ah, je suis obligé de mettre un double pont, là. On va se mettre un pont légèrement plus fin et peut-être un peu plus haut. Tac, levons-le un chouïa. Voilà, alors pas si haut non plus. Peut-être légèrement plus haut. Comme sur CS, avant que tu construises une énorme autoroute. Ouais, voilà. Alors pas faire d'autoroute aujourd'hui, hein. Je vous le dis. Voilà, et là, on fera un petit escalier pour monter. Comme ça, c'est un peu plus haut. Je trouve ça un peu plus joli. On pourra mettre des maisons au-dessus. Putain, c'est... Oh, ouais, c'est beau ce petit passage-là. Ouais, c'est bien ça. Faut qu'on continue de faire des trucs comme ça. Et on rajoute un deuxième petit ici. On va aller jusqu'à l'autre côté. Ah, j'ai buté un canard. Ah, les canards, ils volent! Bébou! Attends, t'envole pas, mec! Attends, j'arrive pas à décliquer. Ah, je peux pas leur faire des. Je peux pas les caresser en volant. Hop.
Alors attendez. Là, même taille. Là aussi. Voilà, ça fait un joli pont. Alors peut-être qu'il est un peu long mon pont là. Après on va mettre des escaliers, donc on a besoin d'un truc très très long non plus. Ok. La même taille là. Voilà. On a la même hauteur. Ah, on est pas mal. On est pas mal. Et on rajoute le côté bois. Voilà. Impeccable. C'est mieux en bois. Je trouve que c'est mieux en bois. Voilà. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bien sûr. Côté Twitch, que TikTok, n'hésitez pas à réagir à follow dans l'argent sur Twitch. Vous tapez Stéphane, vous nous retrouvez, bien sûr. Ah, par contre, le pied du. Alors, attendez. Je vois que le pied est pas au centre de l'eau, là. Voilà le petit. Putain, mais. C'est quoi le câble? Le pied est pas tout à fait au centre de l'eau. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire ça, peut-être. Et agrandir celui-là, là. Un peu plus au centre. Voilà. Ça fait un double pied bizarre. Ouais, ouais, ouais. Et là, on a agrandi un chouïa pour que ce soit au bord. Ouais, mieux comme ça. Un peu plus au centre. Alors là, par contre, il nous a pas... Voilà. Ok, les rambardes sont un peu pétées. Petite tour pour avoir... peut avoir quelle taille au maximum. Une tour pour avoir quelle taille au maximum en, haute... en largeur, tu veux dire. Ça peut être gigantesque, hein. On va en faire des trucs énormes, hein. Une fusée. Décollage. Wouhou. Oh la vache. Bon, ça sert strictement à rien, mais tu peux faire des très grandes tours si tu veux. Non, ouais, tu peux faire des trucs. Tu peux faire des trucs très très larges. T'as pas trop d'intérêt aussi large, mais. Et tu peux faire des trucs très fins également. Voilà, qui ressemblent vraiment à des fusées. Dans le style. Est-ce qu'on tendrait pas de faire des petites maisons en rond là, en vrai, pourquoi pas? Non, mais attends. Pourquoi pas? Ça fait un château d'eau. Et il y avait des châteaux d'eau à l'époque? Je pose la question. Je suis pas sûr qu'il y avait des châteaux d'eau à l'époque. Hein. Ouais, château d'eau, ça allait plus. Ah, quoi qu'il stockait bien l'eau? Ah non, il prenait au puits, hein. Il prenait l'eau du puits. Il faudrait pouvoir faire des petits puits, mais je pense qu'on peut plus ou moins faire des petits puits. Attends, bah justement avec une tour. Ça fait silo à grain plutôt, bah pff, oui. Est-ce qu'on peut faire des petits puits? Ah ouais, ça fait un peu puits. Ça fait un peu un puits si je mets du bois autour là. Tu pourrais essayer de... Attends, tu pourrais séparer pour être un peu plus petit. Un plus petit au milieu, non? Ah! De quoi? Séparer pour mettre un plus petit au milieu? Séparer quoi? Ah, les ponts? Attends, j'ai pas compris. Ah, tu parlais du pont? Genre, attends, je vois l'idée. Je vois l'idée. Genre, on agrandit par là. Là, on réduit. Ah ouais, attends, ça peut être pas mal. Et au milieu, on met un truc plus fin. Genre, on fait deux bases, quoi. On fait deux bases solides et après au milieu on met plus fin. Faudrait qu'on ait un vrai long taille, ouais pas mal. Et au milieu on met un truc plus fin. Attends. C'est quoi si je mets de ça sur l'eau? C'est bizarre. Ça rend pas ce que je voulais. Voilà. Genre un truc comme ça quoi. Ouais ouais pourquoi pas. Paf, on se met comme ça là. Ah pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, il y a un délire. Même ça, c'est un peu large. Mais ouais, pas mal. Ça fait un petit délire. Attends, et là, on met du bois. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Ouais, belle idée. Ouais, c'est bien, c'est bien. Là, on pourrait mettre encore un peu plus fin, peut-être. Un peu plus centré. Là, t'as fait centré, je pense. Un peu plus par là. Ouais, c'est bien. C'est bien, et au début, alors on peut rajouter des constructions en plus par là. Oui, j'adore qu'on soit sur l'eau, oui. Eh, c'est pas mal, hein. Ah, c'est une bonne idée. C'est une belle idée. C'est une très bonne idée. Merci, bien sûr. Alors là, on va construire. Les météos, vous faites quoi? Alors voilà, on enfile des perles. On construit des bacs. Qu'est-ce que je te dis, moi? À moitié sur l'eau, là. À moitié sur l'eau et à moitié sur le pont. Un peu plus petite avec le toit un peu plus comme ça. Voilà, petite maison au calme. Ah oui, faut qu'on mette. Alors attendez, avant, faut qu'on mette des escaliers. Faut qu'on mette des petits escaliers là. Faut qu'on mette des escaliers pour que les gens puissent monter et descendre, même s'il n'y a pas de gens. Hop là ! Tac. Escalier, c'est pas évident à faire. Hein. Enfin, c'est pas évident, c'est que c'est long. Voilà. Mais en vrai, ça se fait, c'est juste faut être patient.
Ah non, ça va pas mal ça. Là. On lève un peu, je pense. On lève un peu, voilà. Comme ça, on va rajouter une marche en plus. Et là, on met du bois. Est-ce que la marche est haute? La marche est haute. Attention la marche, bien sûr. Hop. Tac. Hop, on fait la même. On fait la même. Alors, attends, descends un peu, mon grand. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est l'humidité, ça. Ah, hein. C'est l'humidité, ça me fait toujours éternuer. Bienvenue à tous qui l'ont joué, bien sûr. Ouais, bien, 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 bien. Peut-être un chouïa plus bas. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'est non. Ok, pas mal. Salut Simligno. Tu sais qu'à l'époque, il y avait des habitations sur les ponts. Toi qui aimes construire sur l'eau. Et ça, c'est quoi? C'est du nougat? On l'a déjà fait, crois-moi, on l'a déjà bien construit sur l'eau. Hein, crois-moi. Et c'est vraiment beau ce passage-là. Il est vraiment joli. Hein. Je pense qu'on pourrait encore l'améliorer, mais il y a vraiment des trucs sympas. Petit escalier là. Hop. Et là, normalement, ouais, c'est encore un peu haut. Hein. Il faut encore qu'on rajoute un petit étage. On a bien baissé les marches, là. Ajoute une petite marche en plus. Et je pense qu'on sera pas mal. Bravo. Merci, merci, merci. Bon, t'inquiète, l'idée a été soufflée par d'autres viewers. Hein. Après, j'avais déjà eu l'idée de construire sur l'eau. Mais c'est vrai qu'ils ont eu l'idée également. Ah, je pourrais pas descendre plus bas, là. Ah, ça va servir à rien, ça. Bon, faut qu'on mette des escaliers directs, alors. On va mettre des escaliers directs, alors. En mettant du chemin. Ouais, voilà, pas mal. Alors là, non, par contre, t'es allé un peu loin, mon grand. C'est compliqué de faire des escaliers. C'est pas évident, mais en vrai, ça se fait. Faut juste être patient. Ouais, les escaliers, voilà, pas mal. Pas mal. Là, ça fait petit chemin. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal de ce côté-là. Et l'autre côté, faut qu'on fasse pareil. Mais je crois qu'on est plus haut de l'autre côté. Ouais. Il me semble que. Oula, le terrain est un peu plus haut. Alors, on va essayer de faire à peu près la même chose. We do the same thing, you know? Voilà. Ah bah oui. C'est bon. Ah, pas mal en vrai. Peut-être on se ferait moins chier comme ça. Ah mais c'est un peu... La marche est un peu haute là. Attention la marche. Bien sûr. Ouais, non, si, ouais, non, si, ouais, 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 ouais. On élargit un chouïa. Ouais, ouais. Ah ouais. Voilà. Là, on décale un peu. On décale un peu et on va rajouter encore. Bon, on peut décaler encore, hein. On va aller rajouter un bâtiment de plus. Tac. Tac, tac. Voilà, et là on descend. Attends, faudrait qu'on enlève le chemin là. Ça me gêne. Voilà. On enlève le chemin, on agrandit par là, on réduit un peu par là. Ça fait comme des escaliers bien là. C'est un peu haut. Hein. Merde. Ouais, on va se mettre au sol là. Je pense qu'on va terminer l'escalier de ce côté là. Paf. Et là, si on met une petite route. Merde. On met une petite route ici là. Voilà. Pas mal. Ça me détruit les. Ouais, c'est bien. C'est bien comme ça. Alors, par contre, il n'y a aucune rambarde qui est de la même taille là. Ah, mieux. Et de l'autre côté, par contre, c'est plus bon là. Mieux comme ça là. Les rambardes, elles se sont pas mises correctement là. Non. Ah, si, voilà, mieux comme ça. Ok, pas mal. Pas mal ce petit pont là. Salut Kichilalo, comment ça va? Je vais revenir ce soir, j'espère que tu vas avoir terminé tes escaliers. Ah bah ce soir je serai plus là moi. Hein. Désolé, moi ce soir je serai plus là. Hein. Ça fait, je suis en train de faire autre chose. Hein. Pas contre toi, mais je vais pas passer la journée à faire des escaliers. Hein. Ça a peut-être maintenant. Vous êtes bien pressé côté TikTok, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes une jeunesse pressée, hein. Vous avez pas de patience. Ok, petite maison. Alors petite les maisons là. Ça fait un peu, ouais, peut-être un peu plus grande quand même. Voilà. On pourra rajouter un petit peu des petites ici aussi, au-dessus des fleurs là. Et du puits. Là. Légèrement en hauteur, mais pas trop. Nickel. Avec un toit beaucoup plus bas. Là. Là aussi, le toit vraiment plus bas. Voilà. Et on va rajouter des petites portes. Allez, mettons des petites portes.
Oh oui, avec les petits sachets de trucs devant là. Là pareil. Hop. Ça fait un peu maison, maison de passage. On dirait, tu sais, une maison un peu des douaniers. On dirait qu'ils vont contrôler quelque chose, quoi. Là ? Hop, les... Bam. Ah, là. Là. On va mettre une en haut. Et on va mettre deux là. Non, il n'y a pas de PNJ dans ce jeu. No PNJ in this game. Et on va changer la couleur. On va mettre un petit vert, tiens. Avec le toit qu'on va changer de couleur aussi. Voilà. Voilà. Et là, pareil, on va mettre bois. Bois et une petite couleur un peu bleue, tiens. Voilà. Ouais, ouais, c'est bien. Et là, est-ce que on pourrait pas faire une maison là avec un pont? Ça va peut-être faire un peu trop. On va bien faire un pont qui connecte entre les deux là. Mm-hmm. Donc non, pour ceux qui posent la question, il n'y a pas de PNJ. Le seul truc qu'on a à faire, c'est de la construction. Il n'y a pas de gestion de ressources. Voilà. On se croirait sur Animal Crossing. Mais moi, j'aime pas Animal Crossing, par exemple, tu vois. C'est pas trop mon délire. Je préfère ce jeu. Enfin... Parce qu'en fait, Animal Crossing, tu gères un personnage. J'aime pas les jeux où tu gères des personnages. J'aime bien les jeux en vue de dessus, moi. J'ai une idée, chef. Oula, j'ai peur. J'aime pas les jeux genre Animal Crossing, ça m'énerve. Enfin, moi, je trouve ça chiant. Parce que là, il y a le côté PNJ, il y a le côté un peu catch, je crois, non? Et j'avoue, moi, ça me plaît pas des masses, ouais. Ça me plaît pas des masses. Ouais, les personnages sont gaga. Non, mais même sans parler de ça, je trouve que même la DA et tout, ça me... Bon. Ça me... Ouais, non, ça me... Voilà. Après, j'ai rien contre, hein. Je comprends qu'on apprécie, par contre, mais je sais pas mon délire. Ah, j'ai jamais joué, moi. Enfin, j'ai jamais joué. J'ai déjà regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais j'ai jamais poussé le Dell pour des raisons de... Bof. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans les maisons comme dans les Sims? Oui, mais y a rien. Y a rien dans les maisons. On peut rentrer dans une maison, mais y a rien. C'est pas le but, hein. Ah, ouais, y a rien dans les maisons. Tu peux y aller, mais c'est vide. C'est vraiment là que l'extérieur, hein. Tu te focalises sur un côté, un aspect vraiment extérieur de la maison, quoi. Il n'y a pas ce côté intérieur des baraques. On peut mettre une petite porte sur le pont, là. Ah, je serais même bien faire une grosse maison, là, attends. Voilà. On va aller réduire ça. Voilà. Voilà, pas mal. Pas mal. Petite tourelle comme ça, là. Alors, elle est un peu grosse, ma tourelle, là. Voilà. Voilà, pas mal, la petite tourelle, là. Attends, peut-être augmenter un peu le toit, en fait. On peut augmenter un peu ça. Sur le toit. Voilà. Construire Poudlard. Mais moi, je suis désolé, mais Poudlard... Je vais me faire détester, mais Poudlard... je m'en branle, moi. Enfin, pardon, mais moi, c'est pas trop mon délire, Harry Potter. Donc, je vous avoue, construire Poudlard, bof. Mais je sais pas comment faire un moulin. L'église du village, elle est là. Elle est là, l'église du village. Elle est en pierre. C'est la petite église du village. Oh, elle est déjà là, l'église du village. On l'avait faite il y a un moment. Bah, on l'avait faite pendant le sebaton, je crois. Ouais. Si j'avais eu ce jeu pendant le confinement, je me serais encore plus confiné. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, elle est bien. Bon, elle est simple, hein. C'est vraiment la petite chapelle, quoi. Avec une petite ruine devant, des petits jardins autour. Non, elle est simple, hein. Simple et efficace, quoi. Elle est simple. Elle est entre deux quartiers, en fait. Ouais, elle est entre deux petits quartiers. Ouais, ouais, elle est toute mimi, bien. Là, je sais ce qu'on va faire. On va faire un truc comme ça. Comme on a fait là-bas entre les deux maisons, là. On va essayer de faire un petit pont, là. Alors, attends. Tac. Non, pas dans ce sens, là. Voilà. Dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, on va le faire à la main. Voilà. Hop les, non, ça je voulais faire, je voulais le lever un petit peu. Voilà, on va essayer de faire un petit pont avec une maison en face. Avec une maison en face là. Hop, mais elle est moins jolie que l'église qu'on a fait dans... On avait fait une cathédrale dans un de nos premiers villages, je crois. On avait fait une grosse cathédrale, ouais. Et là, elle était vraiment stylée pour le coup, cathédrale. Là, c'est un peu moins travaillé quand même, c'est un peu plus rapide. Bon, c'est fait pendant le sebaton, hein, me jugez pas. Là, faudrait qu'on se mette un peu en lévitation, mais pas trop. J'ai une grande bâtisse.
Oh, tu peux la retrouver, je crois qu'on a... Oh, je l'ai mis sur TikTok, il me semble. Il me semble. Là, ça va être une maison très en hauteur avec une tourelle. Voilà. Une tourelle, là. Hop, les... Voilà. Putain, c'est beau. Putain, c'est beau. Voilà. Pas mal. Et là, on va aller rajouter du bois. Classique. Voilà. Regarde, mets du bois, là. J'ai mis du bois. Mais, ouais, les bruitages sont un peu... Bah, c'est vraiment un jeu de chill, hein. C'est vraiment un chill game, hein. C'est un peu ASMR, c'est un peu cool, ouais. Hop. Voilà, un petit pont entre les deux maisons, là. Je sais pas pourquoi, mais... À la fin, ils ajouteraient deux ou trois actions à faire, genre inviter d'autres joueurs à visiter, boire une bière, pêcher. C'est un jeu tellement dingue. Ouais, bof. Ah, elles sont pas que sur les fonctionnalités qui manquent le plus. Moi, j'avoue que les jeux comme ça en multi, je trouvais ça chiant. Non, pardon, je suis désolé. Mais tu vois, c'est comme Cities Skylines 2 en multi. Je vous avoue que j'en ai... ouais, ça, je m'en tape le coquillard. Non, mais c'est vrai, je trouve ça... Je trouve ça, ça gâcherait presque un peu l'expérience du jeu. Enfin, ça gâcherait non. Parce que ça laisserait la possibilité à ceux qui veulent le faire de le faire. Et moi, j'en verrais pas l'intérêt. Je suis beaucoup plus heureux à jouer solo, justement. Aller voir les villes des autres, bon. À la limite, pourquoi pas, mais... Ouais, je préfère... ouais, je préfère avoir une petite inspiration. Comme ça. Non, mais après, c'est parce que je suis un vieux, hein. Là, petite fenêtre également. Hop là. Pas mal. Pas mal ce petit truc là. Hop là, une petite fenêtre aussi. Là, on a une deux, un. Là, on peut mettre une petite porte en bas. Une double porte. Une grosse double porte. C'est les latrines, la tour. Mais non, c'est pas une latrine. Salut à Victo Divico. Bienvenue à toi. Ok, là, on... Ah, là, on peut mettre une petite tour, en... une petite, petite fenêtre comme ça là. Voilà. Il y a un mouton avec un parapluie derrière. Ouais, ouais, c'est normal, il vole. Regarde. Tu peux le caresser. Tu peux caresser les canards aussi. Un bon bruit de canard. Salut, Mister 10, comment il va? Tank. Là, il va rester... C'est pas mal. Ça fait joli, ce petit pont, là. Presque, il faudrait qu'on décale légèrement la maison, là. Voilà. Ça ferait un pont un peu moins grand. Bon, je sais pas trop l'intérêt du pont entre les deux, hein. Vous avez jamais eu de mouton volé ou quoi? Bah attends, mais moi j'en vois tout le temps, moi. Regarde. Vous voyez qu'ils ont enregistré des vrais bruitages de moutons? Comment ils font les bruitages comme ça? Ils enregistrent des moutons? Ils vont dans un champ, là. Ils leur mettent un... Ils les ennuient, et comme ça, ça fait des moutons qui crient. Voilà, pas mal. Et là, on met des petites fenêtres comme ça, là. Voilà. Pas mal, pas mal. Ils m'ont volé mon mouton pour le faire, je confirme. Ah voilà, je savais que c'était ça. Ok, des petites couleurs. On va rester sur du vert ici, et là on va plus partir sur un petit violet. Allez, on va changer la couleur des toitures aussi. Donc là, pareil. Là, la tour, on pourrait la mettre d'une autre couleur. Eh, ce serait gaulerie. Allez, non, pas la fenêtre. Voilà, pas mal. Pas mal, non? Ah, c'est bien, c'est bien. Je crois qu'on aurait peut-être pu changer un peu les fenêtres. Les portes, pardon. Voilà, et mettre une porte un peu plus comme ça, peut-être. Oh là, je sais pas pourquoi. Ah, c'est bien ce qu'il avait fait, là. Mais tu t'es trappe pour aller au grenier. Non, comment ça s'appelle? À la cave. Mets une petite trappe par là. On peut mettre une demi-trappe, là. Pour aucune raison. Voilà, je mets des trappes. Bon, je suis un trapier, trappiste. Il manque un peu de décor sur notre bord de route là. Peut-être parce que j'ai pas mis la route. Non? Non, il me rajoute pas de petites déco là. Mais non, il me rajoute dessous mais pas au-dessus. Nul! Merde. Voilà. Une trappe sur le toit, ça donne quelque chose? Une trappe sur le toit, je suis pas sûr. On peut essayer, mais... Bah, ça fait une fenêtre, oui. T'es con? Eh, ça fait une fenêtre. Eh, on est con, hein. Salut, c'est quoi ce but? Le but du jeu, c'est simplement la construire. Tout à fait. C'est littéralement ça. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas changé la couleur de cette petite tourelle. Voilà! Et on met des cheminées! Oh yeah, oh yeah! Maintenant que je sais faire des petites cheminées, on peut faire des petites cheminées. Non, vous voulez mettre une petite cheminée. Voilà, petit... Non, on va mettre plutôt de l'autre côté, là. Voilà.
Là, on va mettre une grosse cheminée. Je veux comme ça. Et là, on va mettre une petite aussi. Voilà. Impeccable. Impeccable, hein. Pour l'enregistrement des moutons, c'est-à-dire ils font plutôt venir un mouton dans un studio, hein, c'est moins chiant en termes de matos. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça évite de... ça évite de, d'aller dans un champ et d'avoir d'enregistrer le vent également. Pas bête. Bien vu, bien vu. Bien vu, Mingo. Mingo, Mingo, pardon. Bien vu, bien vu. T'as des belles idées. Ouais. On peut mettre des cheminées au sol, je vois pas trop l'intérêt. Bon. Et un éléphant. Bah pareil, hein. 14h, où est le donc de l'église? Ah oui, j'avoue, ça y a pas. Et on pourrait aménager des petits quais aussi dessous, je pense. Ouais, mais je suis parti dans la folie d'aménagement, là. Attends que je vais faire des quais. Je vais t'en faire à foison, mon bon ami. Toc. On va faire passer un petit... alors attends, ah mais attends, c'est trop là. Oh, c'est toujours en lévitation au-dessus du sol. Bon, attends. Comment on l'a fait de l'autre côté là, c'est en lévitation? Ah oui, bon, juste mis des escaliers en plus. Effectivement. Effectivement. Ah oui, voilà. Oui, oui, on a mis des petits escaliers comme ça. Voilà, et là, on peut faire un peu en mode quai là. Ah ouais, bien, ouais. Voilà, pas mal. Pas mal, ça fait une jolie petite terrasse. Et balcon, ça manque un peu des balcons. Ouais, on va rajouter les balcons. On va faire un petit balcon, vas-y. On va faire des ch'tis balcons, bonne idée. Oui, oui. Ouais, on va faire des petits balcons. Les cheminées au sol, c'est pour faire genre qu'on est à New York. Ils ont pas cette gueule, les cheminées à New York au sol. Et oui, je vois. Et je vois pas comment... On peut pas faire de bateau, je pense. Je vois pas comment tu peux faire un bateau. Oh, attends. Attends, pas fait exprès celle-là, mais... Pas mal l'idée. J'aime bien l'idée. Pas fait exprès, mais c'est pas mal, là. Oh, la petite terrasse d'angle. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là. J'ai même pas fait exprès, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah ouais, ça me va. Ah ouais, c'est bien, 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 c'est bien. Ah ouais, elle est bien la terrasse d'angle là. Ah ouais, 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 ouais. Ah mais non, j'aurais pu juste faire ça. Merde. Ah oui, bah attends, il y a ma vertigène là. Ah ouais, pas mal. Un mouton qui marche, par contre, ça, c'est super rare, j'en ai jamais vu encore. Ah, c'est vrai? Ah, ça a pas été encore monté, ouais. Ah, par contre, il m'a enlevé toute la déco là. Je suis un peu tristoun. Alors attends. Pourquoi il m'a enlevé toute la déco qu'il y avait là? C'était joli. Des fois il enlève la déco, ouais. Ah là il a mis un petit tournesol. Ouais, c'est tout. Tu vois, alors limite si on pouvait avoir accès, tu vois, avec un petit... avec un... Dans le bandeau en bas, un accès un peu à la déco. Je voulais tenter un truc. Ce serait pas déconnant, ouais. D'avoir un petit bandeau en bas là. Et là, attends, si j'agrandis un peu ça par là. Ah bah voilà, nickel. Voilà, mon petit quai là. Voilà, c'est bien comme si... Un peu bétonné quoi, mais bon. Ça fait partie du... Voilà. Merde sur la verdure. Bah la verdure, elle est sous un truc. Donc ça va être bizarre si je m'énerve sur la verdure. Et là, il y a le petit moulin. Je sais pas comment faire des ponts au-dessus d'un étang. Je sais pas comment on fait les ponts. Je te montre comment on fait les ponts. Regarde, attends, là, t'as une grande étendue d'eau, tu prends une grande bâtisse, tu la mets en longueur comme ça, après tu en mets plusieurs bouts, hein. Voilà, tu poses, tu enlèves le toit, hop, tu descends, oula, pardon, excuse-moi, tu remontes, tu mets la maison au plus bas, tu montes ici, tac, et là t'as un pont. Après tu peux le mettre plus bas ton pont, tu peux mettre à cette hauteur-là, et à la limite, tu peux même mettre avec des rambardes comme ça, tu changes et tu mets en bois. Voilà, c'est un tuto très rapide, j'espère que t'as eu le temps de suivre côté TikTok. Ah oui, c'est vrai qu'on peut cliquer sur la porte pour les décos. Oh purée, merci, de rien, de rien, de rien. Et si tu veux le mettre plus long, bah tu rajoutes la même chose au bout, comme ça. Voilà, regarde, hop, tac, tu rajoutes la même chose au bout. Tac, tac, tu refais pareil, voilà. Hop, tu rem... Bon, après, ça se met plus ou moins bien, hein, ça dépend. Mais, et voilà, t'as un double pont, très rapidement. Et tu peux même changer la texture du sol, bien entendu, etc, etc. Et voilà. Cadeau. Je peux faire un pont un peu voûté. Bah, je sais pas sûr qu'on puisse faire des pentes, par contre. J'ai pas vu ça pour l'instant. Je vois pas comment faire des pontes. Des pompes. Des pontes. Des pentes. Putain, je suis sous. Ah oui, effectivement, si je reclique dessus, ça nous fait un peu de déco. Ah, mieux. Ah, pas mal. Là, c'est mieux. Bon, je vois pas ce que font les... Ouais, la petite fleur, c'est bien. Et là...
Ah, le petit chariot, mais non, on sait pas comment il est monté. Bon, ça me va, ouais, ça fait un peu de déco. On se bien, bien. Et là, pareil, du coup, il m'a mis 0. Ah, le petit pot de fleurs. C'est vrai que j'oublie qu'on peut faire ça. Il suffit de cliquer sur les choses pour avoir de la déco. Ah, il y avait un petit pot de fleurs. Premier live Sonic Gage, je connais pas du tout le jeu. C'est vrai? Attends. Eh ben, écoute, c'est un jeu de construction très chill. Comme tu peux l'entendre à la musique. Il y a pas. Attends, on va enlever le ça là. Ah, bah voilà! Non, reste. Voilà, ça fait un peu de déco comme ça. Bonjour, j'arrive en cours de route. Quel est le nom du jeu? Tiny Glade. Ça a l'air tranquillou. Tu l'as défini exactement. Comme ça, c'est vraiment un jeu tranquillou. Et on pourra ajouter des petites terrasses, il a pas tort le SCH. Alors, petites terrasses qu'on va les mettre comme ceci. Qu'on va lever, puis baisser. Et hop, on va faire une toute petite terrasse là. Mini terrasse. Une terrasse ou nette. Petite terrasse. Voilà, et on va remplacer ça ici et on va la mettre en bois la terrasse. Voilà. Ah, ça c'est chiant, ça met le... Attends, faut que je la mette un peu plus haute, la terrasse. Non, plus haute. Voilà, comme ça mettra peut-être pas les piliers. Voilà, impeccable. Voilà, petite terrasse comme ça. On peut en mettre d'autres aussi. On va mettre d'autres de l'autre côté. Super ce jeu, il y a les gestions ou en plus ou uniquement construction de ville. Que construction de ville. Ouais, au final ça change rien par rapport à l'os qu'on achète à 17€. À l'OST, c'est quoi l'OST? OST? Ça veut dire quoi? Ah, le son! Zach, tu veux dire. Ah non, le jeu est à 15 balles maintenant, il est plus en promo. L'OST, c'est quoi l'OST? Ah, c'est les soundtracks? J'avoue, faudrait que je les achète moi, les soundtracks. Bon, on fait d'ailleurs. 7€, 7 balles. Original soundtrack. Bah, je sais pas, je les ai pas achetés les soundtracks. Je sais pas ce qu'ils valent. Bon, ils les achètent en vrai. Ah ouais, il y a 10-21 musiques. Attention, l'oubli de cheminée. Putain, bien vu. Il y en a qui ont l'œil. Hein. Où ça, j'en ai pas mis. Où est-ce que j'ai pas mis? Alors, c'est vrai que j'en ai pas. Mais j'en ai mis. Eh, j'en ai pas mis cette maison, effectivement. T'as bien vu, effectivement. J'en ai pas mis ici. On va la mettre entre les deux maisons là. Regarde, hop, tac. Voilà. Voilà, là, on la met là. Entre les deux maisons, que ça chauffe tôt. Et pour l'instant, tu ferais pas un live horreur sur Tiny Glade avec un village de sorcières? Faut voir, mais vous êtes tous tellement doués. Mais moi, je suis une merde, tu rigoles quoi? Je suis nul, moi, attends. J'avais peur de me retrouver sans menu quand jouant. Non. Non, y a pas, y a de la musique. Et en vrai, j'ai presque envie de mettre une toute petite maison dans le trou là. Ah, une petite tourelle ronde ici. Attends. Ah, j'en ai déjà mis une merde. Donc, on va pas mettre deux tourelles sur la même maison, c'est quand même bizarre. Je dis ça, je ne serai pas là, mais c'est une idée. Ouais, faut voir. Bah après Halloween, je sais pas. En fait, ça dépendra des sorties jeux vidéo qu'on aura sur la fin d'octobre. Parce que il y a pas mal d'incertitudes sur les sorties qui vont arriver. Donc je vous avoue, je sais pas trop. J'aimerais bien avoir Planet Coaster en avance, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Donc je vous avoue, je sais pas trop comment ça va être le mois d'octobre. Là, pour l'instant, j'attends un peu des retours sur pas mal de jeux. Et on verra en fonction, mais bon, je sais pas trop. Ouais. On mettrait pas une toute petite maison ici, comme on avait fait, fait de l'autre côté, là. Toute petite maison de pêcheur, là. Genre comme ça là. Ah oui, il faut que j'enlève le côté chemin là. Un lavoir. Ah mais je sais pas comment faire un lavoir. C'est quoi un lavoir? Ça a quelle gueule un lavoir? Je sais même pas. Je sais même pas quelle tronche ça a. Je suis désolé, j'en ai pas vu 50 dans ma vie des lavoirs. Hein. Pardon, en fait. De vous. Mais ouais, des lavoirs, j'avoue, j'ai pas trop d'idée de quoi ça ressemble. Hop, voilà. On va mettre la petite porte qui va bien, qui va donner directement sur l'eau. Des petites fenêtres, bien sûr. Voilà. La petite fenêtre quand même. Non, petite fenêtre, parce que pourquoi pas. Voilà. Pas mal. Et puis donc la maison, on va la changer un petit peu de... On va mettre une toute petite cheminée. Voilà, nickel. Une bâtisse sans mur avec un réservoir d'eau à l'intérieur. Une bâtisse sans mur? Oh, sans mur, c'est dur. Qu'on fait pour avoir de l'inspi comme ça, c'est trop beau. Je sais pas, moi, j'avoue, je sais pas trop. J'y vais, quoi. Non, en vrai, je sais pas, j'ai pas trop de comment expliquer. Je fais en fonction un peu de mon instinct, quoi. Non, ça, c'est bizarre, ça. Non, j'ai voulu tenter un truc, mais non. Un rectangle profond pour en avoir. Un rectangle profond. Bof, cette maison. Mais si, c'est la petite maison des pêcheurs. Tu vois, c'est la thématique des maisons des pêcheurs. Tu vois, il y en a une là, il y en a une autre là.
Des petites maisons de pêcheurs, ça, si, si. Ouais, non, mais si, elles sont importantes, ces maisons-là. Elles sont basiques, mais elles sont importantes. La petite maison du pêcheur, voilà. Regarde ça, très importante, petite maison du pêcheur. Oh là, oh, les fenêtres sont vraiment... Non. Voilà. La petite... Voilà, donc un lavoir. Alors, est-ce que le lavoir, on le ferait pas... Ah, mais ça, ça pourrait pas être un lavoir, un peu? Non. L'eau est polluée par de l'argent orange. Personne n'y pêche. Mais si. C'est un toit avec des arches autour, mais difficile de faire intérieur. C'est un toit avec des arches autour. Ah mais putain, TikTok c'est encore coupé. Comment ça me fait chier? Mais c'est insupportable. Je l'ai hé. Pardon, excuse-moi, j'ai gueulé. Vous avez vu une rage incroyable. Non mais quoi, c'est hyper chiant, pourquoi ça se coupe? C'est terrible quand même. Ça me rend fou. Je suis vraiment en train de jouer, pourquoi il dit que ça se coupe? Tu peux être un stream certifié sur TikTok? Bah pour être certifié sur TikTok, il faut en avoir hein, des abonnés. Hein. Crois-moi, ça se fait pas comme ça. Hein. Non, déjà on est certifié sur Twitch. Mais par exemple, tu vois, certifié aussi sur Instagram, j'ai fait la demande, mais c'est long. Bon, certifié sur YouTube, il faut avoir 100 000 abonnés, donc c'est pas demain la veille. Il va falloir quelques années, je pense. En gros, tu fais une maison en long avec deux ouvertures sur chaque côté en forme d'arche. Et sur la partie face à la rivière, tu refais deux ouvertures en arche. Et ça, c'est un lavoir. Wow, salut Heisenberg. Attends, j'ai pas compris. Il y avait trop de mots. Attends, on va tester. Alors, attends, mon petit puits, on va le laisser par là, parce qu'il est mignon. Alors, attends, tu fais deux maisons en longueur, il a dit. Qui est prêt sur YouTube. Ah, certification sur YouTube, c'est genre 100 000 personnes. Hein. C'est pas. Attends, je suis à 15 000 moi, 15 500. Tu fais une maison en long avec deux ouvertures sur chaque côté. Genre comme ça, là, une maison en long, comme ça? Avec deux ouvertures sur chaque côté? Alors, attends. Piston, est-ce que ça va ressembler à un lavoir? Ok. Merde. Ok. Tu mets une petite personne qui attend devant chez toi? Ah oui, ça fait beaucoup de monde. Oui. Non, pas ça. C'est pas là que je voulais cliquer, c'était là, voilà. Ok. Et après? Voilà, et bah c'est bien, et qu'est-ce que je fais maintenant? Tu fais une maison avec deux ouvertures sur chaque côté en forme d'arche, et sur une partie face à l'arrière, tu refais deux ouvertures en arche, et ça fait un lavoir. Tout simplement comme ça? Là, c'est un lavoir, ça? Et là, tu le mets au niveau de l'eau. Hein? Non, mon toit est trop, là. Non, j'ai rien compris. Dans mes arches, t'as planté sur TikTok. Mais j'ai pas planté! C'est TikTok qui m'a coupé! Soit disant, je suis en inactivité, mon cul, ouais! Là, c'est un lavoir, ça? C'est bizarre comme lavoir, non? Non, tu traites pas ça chelou? Bah, il faudrait qu'il y ait un petit puits dedans, ou un petit peu d'eau. Je suis désolé, côté TikTok, c'est pas moi qui ai coupé, ça a coupé tout seul. C'est un endroit où il y a de la flotte à l'intérieur. Non, là, tu déplaces au niveau de l'eau. Ah, je déplace... Ah! Ah, mais... Alors, attends, tu déplaces au niveau de l'eau? Genre, je mets dans l'eau, quoi. Attends, parce qu'il faut que je repasse les chemins. Attends. Voilà. Mais ça fait un grand bac... Mais ça, c'est ça, mais avec un grand bac dedans. Oui, bah, on n'a pas de grand bac, mais on va trouver une solution. Voilà. Voilà, là on va jusque là, voilà, et là pareil, il faut aller juste. Là c'est bon. On est bon? On est bon ou pas? Ah, il y a un tout petit passage là qui va pas. Ah. Là! Impeccable. Ok, maintenant, on va lui changer la texture du machin. Il y a plein de petits devoirs dans nos contrées adaptatives, mais dans l'idée on y est. Ah, j'avoue, moi j'ai aucune idée de calcul ça. Hein. Donc je suis pas le plus à même de vous. De juger. Donc ça, c'est un lavoir. Ah bon, j'ai changé la gueule du tweet. Là, c'est un... Il est pas un peu grand, mon lavoir, là, quand même? Non, mais c'est, il me paraît un peu grand comme bâtiment. Pas besoin d'être si grand, hein. Si. Comme ça, peut-être. Voilà. Non, mais qu'il soit d'une taille... Merde. Qu'il soit d'une taille raisonnable. Un jour, très bien, il faut que tu mettes ça au-dessus de l'eau. Ah, mais tout le bâtiment au-dessus de l'eau? Attends, mais c'est plus... Quoi? Non, mais on peut mettre tout le bâtiment au-dessus de l'eau, mais enfin, ça va pas! Mais enfin, mon bon ami, vous êtes fous! On va mettre tout le bâtiment au-dessus de l'eau, mais enfin, ça n'a pas de sens!
Bah là, il est quand même bien au-dessus de l'eau, là. Pardon, je vous ai traité de fou. Voilà. Il faut une entrée en dessous. Il faut une petite entrée en eau en dessous. Et je peux pas. Voulez-vous que je fasse? Ils sont fous, eux. Bah là, je suis au maximum, hein. Ah merde. Ok. Bah là, je peux faire plus, moi. Hein. Bah tu comprends le principe, c'est l'endroit où les lavandières lavaient les fringues, donc il fallait que ce soit un peu à l'abri quand même. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, on va laisser ça comme ça, un peu au-dessus de l'eau, quoi. Je dis, il faut que tu aies deux côtés opposés, face comme une traversée, c'est ça à l'avoir. Une traversée? Bah là, c'est pas mal. Juste le bout, là, qui est fermé, pour moi. Pour le lavoir, il faut le lavoir soit à moitié dans l'eau, mais dans le sens de la largeur. Ah ouais? Ah ouais, mais ça change tout, là, Lucie. Putain, faut que j'aille voir une photo de lavoir. 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 Mais non, j'écris lavoir. Lavoir. Ah, effectivement. Alors, attendez. Ah oui, ok, je vois. Ah, elle a raison. C'est vrai qu'elle a raison. Ouais, elle a raison. Ah, Lucie a raison. Bien vu, effectivement. She's right. Ah oui, mais alors mon bâtiment va être trop grand, du coup. She's totally right. Et dans l'autre sens. Effectivement, il y a la moitié, une moitié dans l'eau et une moitié... Ah, non, c'est ça. Ah, de ce que j'ai vu, là. Ok. No, it's good. Ok, c'est pas grave. Alors, attendez, on va enlever tous les chemins, là. On va refaire ça propre. Voilà. Il n'y a plus de dérangement. Alors, attendez. On va quand même mettre ça légèrement en lévitation au-dessus de l'eau. Voilà. Je crois qu'il faut que je fasse des jarges, peut-être pas. Donc là... Ok, donc comme ça. Là, on fait un petit chemin qui vient de là. Là. Voilà, alors là, j'ai mis un tout petit peu trop. Pas bien méchant. Voilà. Là, ok. Là, ça fait lavoir. Alors maintenant, on lève un tout petit peu les arches, peut-être. Voilà. Et là, on est sur un lavoir. Là, c'est pas mal comme ça, ça va. C'est un chouïa haut. Je m'en rends pas compte. Bon, alors après, au milieu, on peut pas mettre grand-chose, mais au moins, on a une idée. J'étais en l'heure en train de bosser, j'ai t'entendu galérer sur le lavoir, il fallait que j'intervienne. Non, mais t'as bien fait, merci. You save my life. Là, c'est bien comme ça. Ah, par contre, est-ce qu'on changerait pas la couleur du lavoir? Il m'endort, là. Voilà, petit lavoir. Ah, petit en pierre, le lavoir. Ah, le lavoir en pierre. Oh, il est en pierre, lui. Je peux rendre le toit moins pentu. Oui. Comme ça. Et mettre propre le bord de l'eau. Bah, le bord de l'eau, genre avec un mur en pierre. Ouais. Attends, bouge pas. Attends, je vois pas avec le putain de... Ok. Non. Ça, je voulais sélectionner, j'ai le mur. Voilà, là, c'est galère, là. Non. Faut que je sélectionne le mur. Je sais pas comment je sais. Ah. Non, la vache, la galère. Ah. Non, mais ça, c'est pas grave. Et on peut mettre... attends. Voilà, on va juste enlever le côté chemin, ici. Voilà. Ouais. Tu peux mettre de la pierre au bord de l'eau à la jonction de l'eau et de la route. À la jonction de l'eau et de la route. Bah, comme ça. Mais c'est peut-être un chouïa haut. Non, putain. Je suis en sélectionné, par contre. Voilà. Faut pas le baisser plus, hein. Ouais, c'est bien comme ça. Ah oui, j'avoue, comme ça, les personnes trempent dans l'eau. Ouais, pas mal. Ouais. On a un délire, là. On tient un truc, je pense. Je pense qu'on tient un truc là. Ah, c'est bien là. Ah ouais, de loin ça rend bien. Oh ouais, bel effort, ouais. J'ai passé un peu de temps, mais ça fait un beau lavoir. Non, c'est joli ça, c'est superbe. Je sais pas pourquoi je prends une voix de dessin animé. Allez, on va déplacer la fenêtre là. Hop, les. Urbaniste nordique sur CS2, urbaniste romain sur Tiny Glade. T'as vu ça? Eh, pas mal hein. Putain, le village il est beau, hein. On aura passé beaucoup de temps, mais il a commencé à avoir une petite gueule, hein. Petit à petit, on a grandi, hein. On est en train de... J'ai envie de faire des routes pavées partout. C'est pas mal, hein. I'm happy about that, you know. I'm glad you know that. Là, ça, c'est un chemin qui va à l'extérieur de la map. Et on met des petits arbres le long, là. Tac.
Oui, je parle vachement mieux anglais, hein, comme vous avez pu constater. Vous avez rien compris de ce que j'ai dit. Et là, derrière, on pourrait mettre une petite... je sais pas, peut-être une petite... voilà. Hop, les tacs comme ceci. Pas trop à quoi ça sert, mais j'ai envie de faire ça. Mettons, si un jour il y a des animaux, on aura de quoi les accueillir. Là, on a le petit puits, bien sûr. Pour le lavoir, tu peux mettre des escaliers qui descendent dans l'eau. Non. Oui. Ah, attends, oui. Oh là là, meilleure idée. Oh, mais chiant. Attends, c'est quoi? On va déplacer ça dans le doute. On va le laisser là. Alors, on peut faire un truc pour le lavoir. C'est relou, mais... I kind of like it if you, if, because you are so sympathetic. Tu vas le faire construire. En vrai, ton village, j'ai envie de vivre dedans. Allez. Bah, c'est littéralement le village dans lequel je l'habite. Hein. Ça ressemble vraiment à ça. Non, pas du tout. C'est tellement faux. On peut faire ça. Y'a pas de wifi là-bas. En vrai, je peux passer quelques jours sans wifi. En vrai, non. Promzug, un truc que je vais vous dire. Quand je suis dans l'avion, y'a pas le wifi, y'a pas internet, y'a pas d'échange avec le monde extérieur. J'adore. En vrai, moi, j'adore l'avion pour ça. Pour le côté où je passe quelques heures complètement coupé du monde. J'adore. Ah, c'est un kiff en vrai. Non, mais c'est vrai, je sais pas pour vous, mais moi, j'adore. Vraiment, j'ai l'impression que qu'il peut se passer n'importe quoi. J'en ai rien à foutre, je suis dans l'avion, personne ne le saura jamais, personne ne... voilà. Bon, voilà, c'est mon petit truc à moi. J'aime bien l'avion pour ça. Alors, si on met comme ça, est-ce que c'est mieux? C'est-à-dire, Starlink va détruire ton moment. Starlink, c'est qui ça? C'est encore un truc de l'autre taré d'Elon Musk, là? Il peut pas nous laisser vivre en paix, lui? Il nous fait chier, hein. Alors, est-ce qu'un truc comme ça, ça vous convient mieux? Ah merde, ça dépasse un peu. Ça, c'est pas grave, on peut réduire. C'est l'internet satellitaire. Mais pourquoi faire ça? On a déjà internet par le... On peut pas nous laisser foutre la paix, non? Vous trouvez que c'est mieux comme ça, de l'avoir? C'est peut-être un peu large, par contre, mais je pourrais pas trop réduire la taille, je crois. Je crois que je suis déjà sur le bâtiment le plus petit possible. Ça ressemble plutôt à l'avoir. Ah ouais? Bon, te l'avoir, c'est écrit en amour, hein, je te le dis quand même. Je préférais avant. On préférait avant? Ok. Un peu haut. Mais je peux pas le descendre. Wifi dans les avions arrive bientôt grâce à Starlink. Les grosses compagnies sont en train d'équiper les avions. Mais pourquoi? Pourquoi? On veut vivre, putain. On veut être tranquille dans l'avion. Non, y'a que moi qui suis comme ça? Ok. Bon, bah on enlève ça du coup. Hein. Ouais, 6 heures dans l'avion, tu sais. Non, mais laissez-moi dans l'avion chiller, putain. Bon bah apparemment, ah oui, apparemment faut que j'enlève la route là. Apparemment il y a que moi qui aime être peinard dans l'avion. Oh merde, j'ai fait n'importe quoi là. C'est là que je dois enlever la route. Ah, je vois rien. Un peu désolé, c'est pas très beau là, voilà. Voilà, on remet comme c'était avant. Voilà, nickel. C'est bon, ah ça dépasse un tout petit peu là. Voilà, ça dépasse de l'autre côté ou pas? Non. Et eh ben voilà, on laisse comme ça. Alors par contre, mon mur est pas tout à fait droit. J'étais sous quand je l'ai fait ou... Non. Ah là. Ah non, merde. Oh putain. Ah là. On touche plus à rien. C'est bon. Ah non, ça va pas jusqu'au bout là. Oh putain. Attends. Ah. 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 Ah mais je vois pas. Je vais choper le petit bout là. Ah voilà. Voilà, on touche plus. Ok, pour les, c'est cool ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà, bah c'est bien, petit lavoir. Allez, on dit qu'on est bon. On dit qu'on est bon. On le valide comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien, par exemple. Qui ça? Qui c'est qui dit ça? Là, il y a un tout petit décal. Voilà. Le mieux est l'ennemi du bien, ouais. Eh bah c'est pas mal mon lavoir là. Ah, il y a un petit défaut de route là. Non, trop. Non, pas ça. Voilà. Allez, je touche plus maintenant. Pas mal, on a bien agrandi le village encore. Hein. C'est quoi le nom du jeu, s'il vous plaît? Tiny Glide. C'est TG. Le nom du jeu, il s'appelle TG. Pas mal. Ah, c'est bien, bien. On peut rajouter des petites fleurs, là, le long, là. Des petites flowers, là. Voilà. Bah, ça fait un peu... Ouais, c'est bien. Et sur où la place du marché? Eh oui, bah oui, la place du marché, oui. Et bah là, on a de la place pour la faire, la place du marché, après. On a de la place pour la faire, la place du marché, là.
je pense. Mais faut qu'on finisse ce village, hein. Il commence à être gros, hein. Les endroits... Ah, ça commence à être vraiment gros, hein. Je pensais pas qu'on ferait un truc si gros et si beau. Ah, c'est beau de ouf, hein. Non, mais pardon, mais... Franchement, c'est hyper quali, hein. C'est hyper beau, hein. Bizarre, ça. Oh, que ça sert, ça. Ah ouais, là, il y a de quoi faire des jolies petites... ouais. Mon chat s'appelait Tiny, référence à Warcraft. J'ai pas la ref, merde. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ça fait bien un petit village, là. Je vais craquer et acheter un PC. Ah ouais, t'as besoin d'un PC très puissant, c'est l'avantage. Et de vous faire un petit POV sympa pour la fin, là. Tac, et on prend une petite toffe. Je sais plus comment j'ai fait déjà tout à l'heure, comme ça. Ça, c'est pour la prochaine miniature YouTube, ça. Allez, on s'arrête là, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi ce live. Merci modération, merci au chat, merci au follow. Et merci à vous tous. On se retrouve peut-être demain matin pour un live, mais c'est pas sûr, je pense pas. À voir. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouve dimanche pour une pizza à l'ananas. Je sais pas non plus à quelle heure, mais j'essaierai de vous dire dès que je sais. Merci Sinister pour cette instant de temps, avec plaisir. Bon début de week-end à vous, bonne fin de journée, bon vendredi soir, et puis on se dit sûrement à demain. Des bisous à vous tous.